Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Villes Angela. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Détroit Become Humain, chapitre 5, coéquipier. Nous sommes dans la peau de l'androïde Connor et nous allons découvrir notre coéquipier qui n'aime vraiment pas les androïdes. Vu les têtes, ce n'est pas le seul qui n'aime pas les androïdes. Ça promet. Scanon. Trouver le lieutenant Anderson. Ouais, bah bien sûr. On va s'avancer un peu peut-être. La cible s'est détournée. Ah. Quelque chose qui me dit que c'est lui. Lieutenant Anderson. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Ah, c'est bon, je fais que passer. Pas un problème. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? Heureusement qu'on n'a pas eu à faire les quatre bars derrière. Impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. C'est mal barré. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais, tu peux te les mettre. Non. Où ça? Laisse tomber. L'humour ne fait pas partie de l'androïde. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Moi j'aurais dit en grippe. Hein. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Je crois que le lieutenant est un peu trop porté sur l'alcool. T'as dit homicide? C'est parti pour l'enquête! Alors, je suis très forte au Cluedo, hein, je vous préviens. Hein. C'est Madame Rose, dans la bibliothèque, qui a tué Monsieur le colonel Mutard avec le chandelier. Bon, t'attends ici. Je serai pas long. Sûrement pas. Je viens avec vous. Écoute, il va vraiment falloir que je crois qu'on n'a pas la bonne technique si avec lui. Hein. Ah, il y a des drones. Joss Douglas, pour chérie. C'est ça ? Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. Nous sommes sur notre scène de crime. Un homicide. Allez, laisse-moi passer. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyou nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Bon, je pense qu'on va écouter un petit peu le résumé de la situation. Oh, bon sang, mais ça me tue.
C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Donc, écoutez le briefing. Passez l'épreuve en revue. Il a un casier pour vol et voie de fait grave. D'après les voisins, bah, il pas un enfant de cœur. Du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. Il est sympa, lui. Mais ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de... Ah, je suis curieuse. Et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Bon. Nos preuves. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Ticous. De la drogue. Ouais. Donc, nous avons un drogué mort. Alors, on peut analyser et prélever. Ah. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé. Ah, mais c'est un peu dégueu, hein. Bah ouais, t'aurais pu me prévenir que t'allais faire ça. De te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord? Ouais, bonne idée. Compris. Putain de chien, mais j'hallucine. Supérieur à 19 jours. Donc. Un drogué, que ça fait plus de 19 jours, qui est mort. Le manche, qui est normalement l'arme du crime. Ah ah, pas d'empreinte. L'androïde qui est pas là. Ouais, ça doit être un coup de l'androïde. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Je sais pas ce qu'il cherche, l'autre avec son employé. Ça a été écrit avec le sang de la victime ? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Eden Club. Votre ami Carlos aimait faire la brinque, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète. En tout cas, c'est vraiment pas très propre chez lui, hein. Donc on a 3 preuves sur 10. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Et moi, j'ai encore un problème de caméra pour avancer. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons ? Un couloir, il n'y a que dalle. Ouais, c'est fait. 4 sur 10. Ouais, s'il n'y a pas l'androïde, il était fermé de l'intérieur. C'est l'androïde qui a fait, il est encore dans la maison, c'est obligé. Examiner. On a quoi ? Encore un livre, une fenêtre. Bah dis donc. C'est du joli la lecture. Franchement, sérieux, ça me manquerait qu'il ait pu les livres avec les versions papier où tu tournes les pages. Je serais malheureuse, hein. Ok.
On a le livre là-bas. Ça, bah, là où il y avait le couteau. Donc le couteau vient d'ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Une batte. Pourquoi une batte? Ok, donc la victime avait la batte en main, a priori. Alors, c'est quoi ce truc-là? Donc, il était avec la batte. Il cherchait à taper quelque chose. Ah, bah c'est de la légitime défense, attends. Ah mais c'est dégueu, attends, le mec déjà de machin, il s'en prend un pauvre petit androïde qui a rien demandé. C'est pas un punching ball, merde. Alors, on en est où? La fenêtre. Il nous reste deux indices. Non, ça c'est le policier. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins, qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là. C'est pas logique, il a dit que la porte était fermée de l'intérieur. Donc il est forcément encore à l'intérieur. On va pas y passer la nuit. Problème. Là-bas, il y a deux indices à regarder. Et ça y est. J'ai un problème avec ma caméra. Excusez-moi, monsieur, je cherche à passer, mais j'ai des. Salle de bain. Ah. Truc bizarre dans la salle de bain. Faudra qu'on aille voir ça. Oh. Il a une sale gueule, hein. 28 coups de couteau. C'est de l'acharnement, ça. Il s'était drogué. Bah, on se doute bien qu'il est décédé, hein. 1, 2, 3. Le quatrième, il est où ? Qu'il a dans la main. Empreinte. Allez, reconstituer. J'adore la reconstitution, chaque fois. Ah, il s'est cassé la gueule. Ah bah, c'est sûr, il n'avait qu'à faire le ménage. 28 coups de couteau, quand même. C'est un gros choc émotionnel, là. On se doute qu'il venait de la cuisine. Tout qui est renversé. Il a été poignardé. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Pire que ça, hein.
Donc ce serait l'androïde qui a écrit. Il me manque une preuve. Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? C'était la fenêtre ? Non, c'était pas la fenêtre. Quelle preuve j'aurais raté ? La salle de bain. L'autre, il a dit, venez voir dans la salle de bain. Voilà, regarde. Et qu'est-ce qu'on a ? Attention. Écriture de sujet obsessionnel. Une effigie. Je tiens à dire que la douche n'était pas souvent utilisée. Donc on a nos 10 preuves. La suite. Faire un rapport au lieutenant Anderson. Où qu'il est le lieutenant ? Lieutenant ! Oh, regarde-moi cette feignasse, ses bras croisés adossés au mur. C'est comme ça qu'il travaille le mec. T'aurais pu te mettre ailleurs qu'à cet endroit-là. J'ai vraiment du mal en direction. Parlez, faites un. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Moi aussi. Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Avec la batte. Ça on est suivi une baston. Continue. L'androïde a lancé la chaise. Non, c'est pas possible. Ça colle pas avec les preuves. Ah, fallait bien se tromper un peu. L'androïde a poignardé la victime. 28 coups de couteau, donc, rappelez-vous. L'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Bah oui, mais en fait, il s'est fait taper. La victime s'est enfuie dans... Le salon. Le salon. Dis, c'est comme le Cluedo, c'est pareil. Se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Avec le couteau. Mais il a achevé, quoi. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Bah, il est pas sorti vu qu'il y a tout qui était fermé de l'intérieur. Par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi ? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Eh ben, il va falloir chercher le sang bleu maintenant. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein ? Exact. Ouais. Donc il faut qu'on trouve des traces de sang bleu. Scanner ! Ah bah là, on voit, ça fait le petit poussé. Bon. Suivant le petit poussé.
a dans la cuisine et dans le couloir. Allez, Connor, change de direction, coco. Allez, j'ai dit couloir. Attends, il est obligé d'être encore dans la maison. C'était fermé de l'intérieur, ça va de soi, il est pas sorti. Il y a rien qui était ouvert. Alors, on a une direction dans la salle de bain. On part là. Ah ah, il y avait une échelle. Qui n'y est plus. Il y a un truc en hauteur. Alors, il y a un truc qu'on peut regarder là. Non, ça c'est pour après, pour faire le ménage. Connor, voyons, concentre-toi. Ah. Il y a une trappe. Ah ah. On est trop fort. Trouver un moyen de monter. Il n'y a pas l'échelle, il me faut une chaise, un tabouret, une table, le lieutenant Anderson. Là, j'ai rien. Ah. Prendre la chaise. Et la chaise du couloir, je pouvais pas la prendre. Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Bah oui, je vais vérifier quelque chose. Toi, tu glandes quoi? Mais à part te gratter la tête. Placé. J'aime pas les greniers. Il y a toujours quelque chose qui est là pour te faire sursauter. Ouvrir. Trop facile. Ça va pas être lui, c'est trop facile. Rapté. À la limite, le grenier, il est mieux rangé que le bas. Ah ah, il y a du sang bleu. C'était quoi ça? Il y a un truc à bouger. Ok, on a localisé le déviant qui est dans un sale état. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Ouais, mais je crois que la légitime défense chez les androïdes n'existe pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Ah, beau dilemme. Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben! Ramenez-vous en vitesse! Allez! Je suis désolé. Nous avons donc complété le chapitre coéquipier à 75%, il me semble.
75%, c'est vraiment pas mal pour une première fois. On a débloqué pas mal de choses sur le chemin. On a bien pris le temps d'avancer. C'était vraiment très prenant. J'ai beaucoup aimé ce petit chapitre. Il est l'heure de nous quitter. C'est la fin de ce chapitre 5, les coéquipiers. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bye bye.